comme dans un livre d'une époque, d'un autre temps. Une époque où la médecine n'était pas une question d'argent. Il te parle de la nature et de ses bienfaits sur les hommes. Il te dit qu'elle peut guérir toutes les blessures quand on sait en lire les symptômes. On dit de lui que c'est un sorcier, un marabout, un charlatan. D'autres au contraire diront qu'il les a sauvés sans vraiment savoir comment. On l'appelle, il s'en amuse, on l'appelle Docteur Mabuse. Il te parle de proverbes indiens et qu'il peut faire de toi un champion en écrivant sur son calepin. Il commence ses médications. Il te prescrira un breuvage dont il est le seul à connaître le nom. Il ne te parlera pas de dopage, non, 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 et ni si tu y crois ou non. Il appartient à une médecine oubliée des hommes et de Dieu. Et devant ces marchands de pénicilline, il reste un homme mystérieux. On l'appelle, il s'en amuse, on l'appelle Docteur Mabuse.